Malamine, 36 ans, est directeur commercial dans une grosse boîte de téléphonie. Il vit avec Nadège, dont il a fait la connaissance 2 ans auparavant. Une femme gentille, douce et aimante. Mais elle a bien changé depuis. Bonsoir. Ah, quand tu prépares le dos aujourd'hui, je m'en lève. Si t'as faim, va dans la cuisine toi-même. Aïe, je rentre du travail comme je suis. Et puis, il faut aller dans la cuisine. Et puis quoi? T'as deux mains comme moi, non? Donc, tu peux aller préparer dans la cuisine. Je suis pas ta bonne. Ok. Bon. Donc, tu veux pas aller préparer? Tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Malamine, tu n'as pas faim du tout. Je mange de quoi ça? C'est simple. Malamine s'effondre dans le fauteuil, pensif. Il finit par aller se coucher sans dîner. Lève-toi, tu vas aller boire ton eau. D'accord, j'ai compris. Oh. C'est un mariage où on devient esclave. Malamine, j'ai un peu de. Oui, je suis allée au marché ce matin. Tu es allée au marché? Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais me faire un café, s'il te plaît? Attends, je vais te donner les sous. Mais je te demande. Malamine. Ok. Ok. Tiens. Je rêve de quoi? Tu rêves de quoi? C'est quoi ça? Attends. Ça, c'est quoi ça? Pardon. C'est 2 euros là, je prends pour aller au marché? Toi, tu te fous de moi? C'est avec 20 euros là, moi, je vais aller au marché? Quand tu regardes toi ton corps là, on peut manger pour 20 euros? Ça veut dire quoi ça? Ok. Je vais te donner des sous, t'inquiète pas. Je vais te donner. Je vais chercher ça. Mais, s'il te plaît. Je me repose. Pardon, la cuisine est là. Je comprends pas. Tout allait bien. Tout allait bien. Vivez une vie heureuse. Ah, moi qui suis arrivé du bled, elle m'a soutenu au début. Et puis là, voilà. Là, elle fait comme si elle portait la culotte. Pourtant, je suis directeur commercial de téléphonie. Elle me frappe, on m'insulte, on m'humilie. Je sais pas. Peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Peut-être que je suis pas assez bon mari pour elle. Mais bon. Certains soirs, il préfère se prendre un sandwich au fast-food, sachant qu'il ne trouvera pas de quoi se mettre sous la dent à arriver à la maison. Ainsi, il évite toute confrontation avec Nadège à ce sujet et les insultes nauséabondes qui en découlent. Chérie, tu dors? Comme à son habitude, après avoir rejoint sa femme dans le lit, il tentera une approche. Oh, viens me faire un câlin. Allez, viens me faire un câlin. Hey. Attends, on fait un flashback là. Attends. Donc, moi là, Malamine, directeur commercial de téléphonie là, hein, moi là, je dois payer ma femme pour la toucher. Tout se paye. Ok, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça comment? Tu veux vraiment savoir? On appelle ça comment? Est-ce que tu veux savoir? Dis-moi, on appelle ça comment? Ok. Ça s'appelle de la prostitution. Yeah. Oh. Prostitue quoi? J'ai dit prostitution. Ta mère, ton père, tes soeurs, toute
ta famille des prostituées. C'est qui ta prostituée? Pour te calmer. Tu es malade. Mais tu me demandes de l'argent pour te toucher à quoi? J'ai dit tout se paye. Tout se paye de quoi? Quand tu sors là, tu bois café et tu payes. Mais toi tes cafés. Toi tes cafés. Carrément. Moi encore après moi prostituée. Tu vas voir de quelle voix je me chauffe. Faut te calmer. Il fait nuit. Il fait nuit. Il y a des voisins. Il y a des voisins. Merde. Il y a des voisins. Regarde comme il m'énerve. Je vois plus la police. Faut te calmer. Imbécile chien. Oui, tu es imbécile chien. Mais faut te calmer, il y a des voisins. Ta mère prostituée, c'est ta mère qui est prostituée. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Hein? Et puis d'ailleurs, mais faut de dormir ici. Mais... Va. Mouton là. Mouton. Ça là, ça va tourner contre toi. Ça, je te dis d'avance. Ouais, gne, gne. Va. Ouais, j'y vais. Je pourrais pas expliquer. Donc, du coup, je peux pas la frapper. Nous, les hommes, on frappe pas les femmes. Voilà, c'est pour les faibles. Je suis obligé de me laisser faire. Voilà. Tant je suis respecté dehors. Et puis ici, bah voilà, je suis autre chose. Donc, on continue dedans. Espérons que ça aille mieux. Je me dépêche. Mais Lady, tu peux m'aider pour les tâches ménagères? Parce que j'ai mes amis qui arrivent là, tu vois, ils vont pas tarder à venir. Donc aide-moi au moins pour ça, s'il te plaît. Tu es malade ou quoi? Ils viennent pour toi, non? C'est pas mes amis. Ils viennent pour toi, ils viennent pas pour moi. Qu'est-ce que t'as à faire là, pardon, pas me déranger. Les tâches ménagères là, hein? C'est pas moi de les faire. C'est toi. Sirop bien. T'entends pas quand je te parle dans cette maison, viens voir. T'entends pas. J'ai dit, tu n'entends pas. J'ai dit, je frappe pas les femmes. Tâche ménagère, tâche ménagère. Je frappe pas les femmes. Toi, t'as déjà frappé une femme dans ta vie? Un mouton comme toi. Un quoi? Un mouton. Mouton là. Moi, mouton. Regardez-moi celle-là. Tu vas venir ramasser tes miettes. Hein. Tu vas venir les lécher. Faut venir les. Faire ça là, même ça là, tu vois ça, ça là, c'est toi. Faut venir m'aider. C'est lui, malamine. Fais ce que malamine, c'est moi. Faut faire. Les amis, ça arrive. Fais ton ménage. Ok. Bien fatigué. Faut donne-moi ton thé. Attends. Non. Je suis pas d'accord. J'ai dit, faut venir m'aider pour le ménage, les amis. Très sérieux, tu vas pas le faire? Je fais rien du tout. Tu vas boire ton thé. Dépose. Je ne dépose pas. Tu ne déposes pas. Quoi? Attends, je vais poser à sa place. N'ose pas, faut me frapper. Frappe-moi. Vas-y, je frappe pas. Je vais dans la cuisine. Oh, mais... Viens poser mon thé. Attends, là ça va suffire. Hein? Ça va suffire. D'accord? Depuis t'es là, tu. Y'a pas de haut, là c'est moi qui parle, d'accord? Depuis t'es là, tu me frappes, je dis rien. Si tu continues comme ça là, je prends mes kicks comme ça et je me barre. De partir. Moi, une femme comme. Regarde, comme quand tu me vois comme ça là, tu penses que moi je te mérite? Et toi, tu me mérites quoi? Moi, grand directeur commercial de téléphonie. Oh, ta publicité là, pardon. Ok, tu sais quoi? Tu comme ça? Un homme, ça parle pas beaucoup. Carrément. Et moi, c'est fini. You and me, it's over. Over. Tu vas rester seule, toute seule, tu pourras faire tout ce que tu veux. Moi, je me barre. Ciao. Allez. Oh.
Va, allez, s'en va. Qui vient nous déranger comme ça encore? Oh, ah, la famille, garçons, ça va ou quoi? Vous allez bien? On est là, ça va et toi? Ça va bien, et vous? Ça va super. Oui, il y a des gens là, pourquoi moi là? Il y en a qui vont bientôt pleurer là. Allez, là, 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 commence à envisager foncer, t'as peur de perdre hein. Vous faites quoi là? C'est toi qui fais, mais il y a le match, t'as un prof. Allons, changement de plan. Allons où? Allons-y. C'est ton tour, la semaine dernière c'était lui. Ok, j'ai compris, levez-vous, on y va. Je sais pas, on va voir. Ça va, ça va? Parce que là? Oui, allez, on y va. Bon, madame. Prochainement. Rentrez bien. C'est quel genre de blague tu nous fais là? Bon, c'est pas une blague. C'est... On rate pas le match, non? C'est quoi ce blague? Allez, et pourquoi tu sors comme ça? Je sors comme ça. Tout est dans la voiture. Moi, je monte pas dans ma voiture, donc ça, c'est une voiture. Aujourd'hui, je me retrouve toute seule. J'ai maltraité mon mari, ma lame. Il était si doux, gentil, aimant. J'ai voulu porter la culotte dans cette maison. J'ai tout perdu. Il est parti m'a laissé comme une poubelle dans la maison. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Vraiment. Je pensais que c'était comme ça que je pouvais garder mon mari. En lui montrant un côté mauvais. Mais il a pu partir. Je ne peux jamais recommencer. Frapper un homme. Malamine a honte. Comment dire à ses amis qu'il se fait maltraiter? Vont-ils croire qu'un homme comme lui se fait battre par sa femme? Bon les gars, vous jouez, c'est bon. Oh, attends, doucement. Pourquoi t'es pressé comme ça? Qu'est-ce qui se passe là? Normalement on devait regarder le match, c'était prévu. Pourquoi tu pars comme ça là? Bon. On comprend rien nous, okay. Franchement. Ok. Je vous dois des explications. Avec ma femme, là, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Elle et moi, c'est fini. Tu bugs ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait plus de 3 ans que vous êtes ensemble, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu les balais, tout ça, là? Ouais, elle était en train de faire le ménage. Non, normal, c'est une femme. C'est moi qui faisais le ménage. Mais allez, vas-y. C'est toi qui vais s'en battre chez nous. T'es tombé ce matin, t'as glissé, je suis en train de bêtises. Viens, mec, le match, vas-y, arrête tes conneries, là. Attends, je suis en train de rire, là. Mais oui, tu rigoles. Mais tu t'es vu? Oui, tu rigoles. C'est que ta femme te victimise de ton... Que t'as jamais pas vu dans la face. Que ta femme te victimise dans ton foyer, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? T'es un homme battu, Seigneur. Mais non, arrête. Toi, un homme battu. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi mon pote m'a jamais rien dit par rapport à sa situation. Et j'arrive pas à comprendre comment un homme peut se faire battre à la maison. Surtout un homme comme lui. Il est respecté. Il a un bon boulot, il est cadre. À l'extérieur, tout le monde le respecte. Et à la maison, eh ben non, c'est pas lui qui porte le pantalon. Quand il nous a dit ça, au début, j'ai cru que c'était une blague. Je voulais pas y croire. Carrément, je voulais pas y croire. Mais en fait, après, j'ai vu que c'était sérieux, je suis tombé de haut. Et je suis choqué. Franchement, y a pas d'autre mot, je suis choqué. Et je comprends pas.